Salut les gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi en cours d'animation, on est parti. Regardez comment je suis trop heureuse d'aller à l'école. Aujourd'hui je vous emmène en cours d'illustration. Sur ce cours, on fait un projet qu'on avait déjà commencé à la dernière séance, et c'est de réaliser une illustration sur le thème cyberpunk. Et en plus de ça, il a ajouté une seule autre contrainte. Le thème du dessin, ça devait être la fuite. J'y connais rien en cyberpunk, genre, j'ai vu Ghost in the Shell et ça s'arrête là. Du coup, après plusieurs pistes, j'ai décidé que mon personnage, il allait fuir des robots. Je me suis dit que je voulais faire un truc en perspective un petit peu compliqué. Ça, c'est juste pour moi en tant que référence, mais c'est le chara-design de mon perso. Du coup, j'en ai fait un deuxième croquis, beaucoup plus lisible, et franchement, j'aime beaucoup. J'étais levée pour aller voir le prof à son bureau pour enfin avancer parce que ça faisait une heure que je tournais en rond et qu'il devait valider mon idée. Sauf qu'Emilien il m'a piqué ma place. Du coup je commençais à songer à des représailles. Alors je mets dans le texte. Les animaux ils sont mécaniques. La richesse du pays c'est le mécanisme, les pieds. Bah, du coup après tu vois là, c'est une branche. C'est une grosse branche. Et ils ont encore des arbres alors qu'ils ont autant de mécanique. Complètement. Bref, après ça, je suis allée voir le prof, il a validé mon idée. Mais du coup, ça veut dire que je dois me retaper toute la perspective sur un format A3. J'ai pas filmé en sortant du cours, mais ça, c'était le résultat final. Et du coup, je vous tiendrai au courant de l'avancée dans les prochaines vidéos.